terrestrité humaine. Lesquelles terrestrités humaines, faut-il le rappeler, sont toujours là à nous distraire. Et cela est très important, n'est-ce pas? Mais là, je ne vais pas vous amener dans mon yoga. Je ne vais pas vous amener dans des vains discours. Je ne vais pas vous amener dans la pratique occidentale. Oui, à la demande de certains d'entre vous la dernière fois, insistant. Et vous avez beaucoup insisté. Mais je vous ai donné, je vous ai dit, j'avais des réserves à ce sujet. Mais cette fois-ci, avec l'accord de nos ancêtres, avec l'accord de mes ancêtres et de mes entités, nous allons donc rentrer dans le comment se décanter, se détacher des addictions, se détacher des choses qui font de nous des esclaves, esclaves de la drogue, esclaves des alcools, esclaves du sexe, esclaves de l'argent, esclaves des dépenses. On n'arrive pas à garder l'argent entre ses mains. On n'arrive pas à rester tranquille avec une femme. On n'arrive pas à rester tranquille avec un homme. On n'arrive pas à s'en passer du chanvre. On n'arrive pas à s'en passer du tabac. On n'arrive pas à s'en passer de l'alcoolisme. Et j'en passe. C'est toute une liste. Même certains qui n'arrivent pas à s'en passer de la magie noire. Pourquoi ils sont aussi addictés à faire le mal? Comment s'en passer des assassinats? Un bon matin, vous vous réveillez. Vous êtes habité par l'esprit d'aller assassiner. Vous êtes habité par l'esprit de suicide. Vous êtes habité par l'esprit... Bref, il y a toute une longue liste. Alors, je vous promets que cette fois-ci, avec l'autorisation et la bénédiction de mes ancêtres, et surtout, je tiens ici à remercier les confréries de l'Afrique équatoriale. Je pense à mes frères des confréries d'Indjobi, des confréries des pratiques et des rites du peuple Luango et du peuple Teke. Ce sont ces milliers de rites dont je vous ai toujours dit, je suis en possession. Mais je ne pouvais pas. Mais ils m'autorisent quand même de faire sortir certains. Et ce sont ces rites-là, ce sont ces secrets-là que je viendrai vous donner. Des rites que vous pouvez faire chez vous à domicile. Il suffirait d'avoir une natte. Mais quel genre de natte? Je rentrerai dans les détails. De quels matériaux ces nattes doivent être faites? Vous aurez besoin de malades. De quels malades s'agit-il? Je rentrerai dans les détails. Et vous aurez besoin, parfois, ce n'est pas nécessaire, mais cela serait une utilité d'avoir l'iboga. Voyez-vous, l'iboga rentre même dans la plupart des nourritures. Je vous ai dit la dernière fois que l'iboga et la plante sacrée de l'iboga n'est pas seulement pour l'initiation, qui vous permet de percer le voile du monde matériel pour s'y rendre dans le monde immatériel, aller dans ces arcanes secrètes, fouiller votre avenir, fouiller votre passé et savoir ce qui vous arrive. Non, l'iboga n'est pas seulement pour cela. L'iboga est utilisé dans plus de 3000 rites légués par l'initié du Bouiti inconnu qui, au début du 17e, 18e siècle, alla déposer toutes ses connaissances auprès de la confrérie du peuple Luango et du peuple Teke. Donc, tout ceci, je partagerai avec vous ce vendredi à partir de 21h. S'il vous plaît, invitez le maximum de personnes car le peuple Kemite a besoin de ce genre de choses. C'est des choses qui ne demandent aucun sacrifice. C'est des choses, s'il vous plaît, qui ne vont pas vous sacrifier un parent, qui ne vont pas vous donner des exigences compliquées. Tout ne dépendra que de vous, chers frères et sœurs. Il est grand temps de retourner chez soi. Il est grand temps de retourner dans notre terroir. Oui, j'apprécie aujourd'hui beaucoup les jeunes qui sont en train de faire sortir nos pratiques du peuple Kemite. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, s'il vous plaît, pour pouvoir rentrer dans l'ère du Verseau, d'ailleurs l'ère du Verseau qui a déjà commencé, afin que tous nous marchions à la rencontre de nos ancêtres. Nous ne les adorons point, mais nous les honorons. Oui, en effet, souvenez-vous des 42 lois de maths. Dans l'une de ces lois, il nous a dit que nous devons seulement adorer Dieu. L'énergie de maths, l'esprit de maths. Et en dehors de lui, nous devons honorer
et nous devons adorer les dieux et honorer les dieux. Nos ancêtres, nos entités font partie de ces dieux que nous devons honorer. Et ensuite, il y a certains qui m'ont posé la question sur le prophète Kibangu. Simon Kibangu, vous vous rappelez de lui? Cet homme qui a fait des révélations qui ont coïncidé avec l'accaparation, l'accaparement, permettez-moi si le mot n'existe pas, lorsque Léopold II se réunit à Genève et à Berlin en 1885 pour pouvoir s'accaparer de la terre. Toutes ces prophéties, cet homme l'avait donné. Est-ce que vous savez les pouvoirs qu'il avait? Alors, ils m'ont autorisé de partager avec vous les rites du prophète Simon Kimbangu. Nous allons les partager ensemble, nous allons les vivre en live. Je vais vous donner les recettes. Et si possible, je les partagerai dans mes forums. Oui, le prophète Simon Kimbangu a laissé des grandes fétiches. Vous vous demandez pourquoi aujourd'hui des grands artistes zaïrois, congolais, voulais-je dire, des hommes d'affaires, des femmes et même des Gabonais, des Sud-Africains, des Blancs, plus de 47 millions de personnes adhèrent dans la religion du prophète Simon Kimbangu. Il y a des secrets. Il y a des secrets. Et je me ferai le plaisir donc de partager avec vous quelques rites qui vous permettront d'avoir une bonne santé, qui vous permettront d'avoir les protections totales dans tous les domaines, qui vous permettront de progresser, qui vous permettront de ne jamais perdre votre boulot, qui vous permettront d'attirer la chance, d'attirer le bonheur, d'attirer l'argent. Ce n'est pas moi, c'est le prophète Simon Kimbangu. Donc, je vous amènerai dans la ritualie du prophète Kimbangu. Ne serez-vous pas heureux de pouvoir connaître autant de secrets et de grands mystères que votre humble serviteur gardait étouffé en lui? Mais il a fallu l'autorisation de mes frères, des fraternités, des rites de la zone de l'Afrique équatoriale. Désormais, je vous les mettrai à votre disposition. Rassurez-vous. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de souci. Personne ne deviendra fou parce que vous pouvez les pratiquer tranquillement, sans aucune crainte, aucune. Et vous-même, vous verrez les bienfaits. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Rendez-vous, s'il vous plaît. Rendez-vous ce mercredi. Rendez-vous ce mercredi pour notre sujet sur comment éliminer les défauts, comment s'en débarrasser des addictions qui nous tuent. Nous aurons donc le privilège de pouvoir voir cela ensemble. Permettez-moi, je n'ai pas le droit d'auteur de cette chanson, mais permettez-moi que l'on puisse quand même, avant de nous séparer, écouter cette belle mélodie. Nous allons l'écouter ensemble. Pardonnez le bruitage, c'est ma chienne qui est très occupée là-bas. Je ne sais pas quel travail elle est en train de faire. Mais elle est un peu déçue parce que je lui ai dit, je vais faire un enseignement, il faut me laisser un peu tranquille. Donc, nous nous retrouvons quand? Mercredi à 21h, heure de France, heure du Gabon, heure de l'Italie, heure de l'Espagne. S'il vous plaît. Et jeudi, la même heure. Pour les rites secrets. Simon, Viva tu babongue bongue, viva tu babongue bongue.
Merci beaucoup. Nyimana nganga bwekai. Nyimana kombe. Mes frères, merci beaucoup. Mes sœurs, merci. Soyez toujours fidèles à ces enseignements. Car, au fur et à mesure, les ancêtres décident de se révéler à nous. Et que le culte des ancêtres n'a rien de diabolique. Le culte des ancêtres n'est pas une adoration de nos ancêtres. On n'adore pas les dieux. On n'adore pas les génies. On n'adore pas les ancêtres.
Seul le Dieu créateur des cieux et de la terre, qu'on honore et qu'on adore. Cela doit être clair. Donc, quand votre humble serviteur vient ici vous divulguer des rites, ça a commencé avec le rite du vin. Il y a des gens qui ont posé des questions sur le rite de l'urine. Il y a plus de 5 vidéos et plus de 57 audios sur le rite seulement de l'urine. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'urine. Pour ceux qui... Je vais vous donner un petit cadeau du rite de l'urine. L'urine peut vous rajeunir de 50%. C'est-à-dire que si vous avez 50 ans, vous paraîtrez toujours comme un jeune homme de 25 ans. Je l'ai fait. Et je vous dis, ça marche. Un autre rite de l'urine. Si vous êtes dans un milieu où il y a des sorciers qui vous envient autour de votre maison. Et pourtant, ces rites-là, hein, c'est diffusé là dans les rites de Luango. Mais c'est parce que vous ne prêtez pas attention. D'accord? Il y a une série de près de 80 rites. Maintenant, ça, c'est le petit rite que je vous donne. Vous n'avez pas besoin de manger le bois sacré. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un ganga ou qui que ce soit, ou un marabout. Chez vous, si vous constatez que vous avez trop de menaces, votre propre urine, le soir avant de dormir, vous prenez cette urine, vous pissez, si possible, dans un bol. Vous me percez ça à l'entrée de votre porte centrale, vous versez également à l'entrée de votre fenêtre. Parce que généralement, dans les villages, les sorciers rentrent par votre fenêtre. Parce que s'ils constatent que la porte là-bas est trop gardée, ils préféreraient rentrer par la fenêtre. D'accord? Vous versez ça. Aucun sorcier ne viendra vous atteindre. Deuxième, troisième série, l'urine. C'est vrai que ça sort, mais le matin avant d'aller au travail, si vous constatez que vous avez des sorciers qui vous emmerdent, mais... Vous pissez, après votre bain, vous vous êtes baigné, vous êtes parfumé, vous pissez et vous mettez dans un bol et cette urine-là, vous frottez et vous frottez à votre visage. Vous frottez à vos mains. Au-dessus du visage, pour éviter les odeurs fortes, vous mettez un peu du parfum à votre habit pour tromper la vigilance. Je vous dis que même le sorcier le plus puissant ne pourra pas vous regarder dans les yeux, surtout si vous frottez ça à votre visage. Et je vous informe que l'urine aussi soigne les acnés. Pour ceux qui ne le savent pas. Parce que là-dedans, il y a une acide, l'acide urique, qui est très efficace contre toute forme de cancer. C'est pour cette raison, les Chinois, les Brésiliens, et moi, je vous ai préconisé même des rites sur l'urine que vous pouvez consommer, car cela va vous prévenir contre toute forme de cancer. Vous ne souffrirez d'aucun cancer à cause de l'acide urique. Des études scientifiques par Harvard University, par Penn State University et même Ohio State University, là où je suis. J'ai discuté avec des gens, les professeurs du département médecine, medical school, especially specialized in this section called, the section called alternative medicine. J'ai discuté avec eux. Alternative medicine a toléré l'urothérapie. Ils ont accepté l'urothérapie. C'est en pleine étude et en observation. Moi-même, j'ai été pris comme échantillon. J'ai pris ma propre urine. Un verre d'urine, j'ai bu devant eux. Et ils m'ont observé. Deux jours plus tard, ils ont vu le dynamisme. Ils ont mesuré tous mes signes vitaux. Ils étaient impressionnés. Donc, je ne suis pas le seul. Ils ont fait l'étude aussi sur des blancs. C'est pour vous dire que l'urine est un rite magique et puissant. Donc, avant d'aller au travail, avant d'aller à votre lieu de travail, avant d'aller à votre bureau. OK? Les sorciers là qui aiment faire passer les fusils nocturnes. Moi-même, je vous ai dit, je suis expert des fusils nocturnes. Je fabrique les fusils nocturnes. Donc, vous frottez votre propre urine, vous. Avant de partir, vous frottez. Ne serrez pas la main à vos enfants, à votre femme. Donc ça, vous le faites. Si possible, vous gardez la coupe, la bouteille de l'urine dans votre voiture. Donc, dès que vous sortez de votre voiture, vous lavez les mains. Vous partez à votre bureau. Vous me direz, quel que soit le fusil nocturne, quel que soit le pouvoir, ou le vampire, qu'il soit marabout, bien quelqu'un qui veut vous marabouter parce que vous êtes un chef, parce que vous êtes ministre, ou bien parce que vous êtes président, quelqu'un quoi, il va venir forcer de vous serrer la main. Vous lui serrez la main, bien, secouez bien sa main. Et c'est lui-même qui va avoir le choc en retour. Merci beaucoup. Que Teta Monga vous bénisse. Passez un bon week-end. Et comme vous le savez, je vous ai dit, les dimanches, les lundis, les mardis, je ne parle pas. Mais je vais demander, j'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube, le programme de mercredi et jeudi. Vous serez très, très, très gâtés, je vous en prie. Faites le partage de cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai voulu la faire en moins de 25 minutes. Partagez-moi cette vidéo comme des gâteaux. Appelez le peuple africain, le peuple Kemit, qu'il vienne enfin
recevoir les rites qui leur permettra de s'en débarrasser des démons qui les emmerdent. Ils sont allés faire des prières de délivrance, ça n'a pas marché. Ils ont crié à gauche, ça n'a pas marché. Il va à l'église, mais il continue à faire commettre les adultères. Il continue à commettre la fornication. Il continue à mentir. Il continue à voler, détourner les fonds publics. Mais les rites de l'Afrique équatoriale, les rites du peuple Luango et Bateke, dans ces grandes confréries dont votre humble serviteur a accès, je vais pouvoir vous les partager. Et j'ai eu également autorisation de partager avec vous les rites secrets que le prophète Simon Kimbangu utilisait. Et aujourd'hui, la plupart des membres de cette confrérie ou de cette église vous diront si je vous mens ou pas. La plupart des gens qui sont dans cette église, pourquoi même des Gabonais, des Français, même les Blancs, ils reconnaissent le pouvoir de cet homme-là, la religion du kimbanguisme. Parce que c'est la religion basée sur la tradition. Et là, je partagerai avec vous des rites que lui-même il avait laissés. Et c'est les rites que beaucoup de ses membres utilisent. Je vais vous les partager. Quelques-uns. Comment vous protéger. Forme toute protection totale pour la prospérité, la richesse. Vous aurez seulement besoin de quelques éléments. J'en ai déjà cité au début. La natte. Mais je vais vous dire quel genre de natte est fait par qui. Et on les trouve où. Bref, je m'arrête ici. À mercredi, ne manquez pas. 21h. Même si je viens en retard, soyez des bons élèves. Soyez là. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci.